Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo sur la pêche du bar en fin de saison, au mois de novembre il me semble. Et je vais vous faire une petite mise en contexte. Donc voilà, c'est une petite session en estuaire. Donc je rejoignais Fred qui pêchait déjà depuis une petite demi-heure sur le spot. Et en fait tout simplement 5-10 minutes avant que j'arrive, il a tout simplement explosé son record en surface. Il a fait un magnifique poisson de 67 cm au pachinko 140, vraiment sur la bordure dans pas beaucoup d'eau. Donc vraiment un gros GG à lui, malheureusement que je suis arrivé en retard, j'ai pas pu voir ce magnifique poisson. Mais en tout cas, le principal, c'est qu'il ait fait son record en plus en surface, c'est tout simplement splendide. Donc un gros GG à lui. Sinon les gars, je vous souhaite une très bonne vidéo, vous allez voir que le leurre dur s'est avéré très efficace. Et je vous laisse avec les images de toute manière. Allez, bonne vidéo les gars, merci. Ah, j'ai bon espoir, c'est juste à la cassure. Oh, regarde, il y a du monde derrière, regarde. Non, ça a pas l'air petit ça. Bon, ça fait... Tiens, il y a du monde derrière. Ils sont loin derrière la cassure en fait. Là, c'est sur les premiers mètres qu'il va falloir être bon. Premier mètre de pêche. Je pêche rapidement et d'un coup, je pêche lentement. C'est souvent ça qui déclenche les attaques. Faut bien qu'ils identifient le leurre. Il y avait du client là. Ah, tu vois, ils sont posés juste derrière la cassure. Dès que le banc de moule il se termine. Bon, en vrai, ouais, non, t'as raison, c'était quand même balèze. Hein. Je suis en train de me dire. Bah, ouais, ça peut. Ouais. C'est vrai. Timide quand même, ils sont montés qu'une seule fois. On va essayer de les. Enfin, perso, je vais essayer de les déclencher au PN. Poisson. J'ai chopé très très loin. Non, t'inquiète. Très très loin. Très très loin. Oh, ça va, c'est joli quand même. C'est du calibre de ceux qui nous avaient mis une attaque, je pense. Un petit 45-50, quoi, je pense. Ouais, même pas. Ouais, je mets pas l'épisode parce que je suis au poste nageur. Oh, bah, il s'est décroché. Bah, parfait. Ouais, il devait faire 45-50 à peu près. Un truc comme ça. Mais je l'ai chopé vraiment au loin. Poisson. Ouais. C'est un pins. C'est un pins. Après, t'as essayé devant parce que là, je lance pas à droite, je lance devant. Ouais, devant moi, pile devant moi. Ouais. Ça doit être un macro, je pense. Et il est pas vilain en fait.
Regarde, je viens l'épisode Fredo en fait, il est balèze. Il est balèze en fait. Il est joli hein. Oh merci Fredo. Oh, bah oui, il est joli en fait. Moi qui pensais qu'il était petit. Wow. Arrive, deux, trois check. Ouais, je me mets là, hop. Et voilà, un petit poisson de 59 cm, ça fait trop plaisir. Une session qui commence bien, Fredo qui nous claque son record, 67 cm en surface au début de session. Voilà, c'est une session qui commence trop bien. On va remettre ça à l'eau et puis c'est parti. Poisson. Poisson Fredo. Pachinko 100. Et voilà. Un petit bar pris au pachinko 100 juste en bordure, à peine piqué. Voilà, c'est un pince hein, mais en surface ça fait plaisir dans une eau cristalline. Et hop, plouf, ça repart direct.